Coucou à tous, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai 4 informations officielles à vous donner pour le journal Mercato du 12 juin. On commence avec l'officialisation du transfert du Français de 27 ans, Andy Delors, vers Montpellier. Il avait été prêté par les Toulousains la saison dernière au club Héroleté. Maintenant, c'est officiel. Il rejoint le club montpelliérain officiellement, sans histoire de prêt. Les détails du contrat n'ont pas encore été connus. On continue maintenant avec Alexander Isa, qui arrive du Borussia Dortmund en direction de l'Athletic Bilbao. Le joueur néerlandais a signé pour 5 ans avec le club de Sociedad, qui a dû l'acheter à Weim 2, qui avait obtenu le prêt du joueur par le BVB en 2018. Le joueur néerlandais avait quand même inscrit 13 buts en 16 matchs, un bilan tout au moins réjouissant pour Alexander Isa, transféré donc du côté de la Real Sociedad. On continue maintenant avec le nouveau sponsor de la Ligue 1, Uber, la société qui livre des repas à domicile, a souscrit un contrat de 3 ans avec la Ligue 1, qui deviendra donc maintenant la Ligue 1 Uber et non la Ligue 1 Conforama. Le contrat durera jusqu'à la saison 2021-2022, qui sera la dernière année. Et on continue avec cette quatrième et dernière information. L'Argentin qui avait participé à la Coupe du Monde 2018, Gabriel Mercado, a quitté le club du FC Séville. À la fin de son contrat, il a rejoint Al Rayyan au Qatar, arrivé de River Plate en 2016. Il a donc joué 3 ans en Andalou, et dont notamment une Ligue Europa la saison dernière. Voilà, c'était les informations officielles de ce mercredi 12 juin. C'était Total Foot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, notamment le 7 officiel du 13 juin. Voilà, c'était Total Foot. Au revoir et bon match si vous regardez France-Norvège. Bonne nuit et à demain.